royaume d'Hyrule, la Togo. Va cocorico. Y'a quoi là-bas? Un renard? S'en fout, c'est pas important. Oh là-bas, y'a un pont. Peu importe, il est pas important non plus le pont. C'est quoi, c'est un caillou? On s'en fout du caillou. Pas important le caillou. Oh, c'est quoi là-bas? Y'a un petit parasol là. Y'a un petit tourniquet là, comme il y a dans les glaces. Oh, y a trois ballons qui volent. Bon bah, on peut pas, plus de flèches. Tour des monts géminés. C'est bien ça. On va escalader ça là. On va voir la carte. C'est bien parce que t'es sur le chemin. Si t'étais pas sur le chemin. Oh là là, comme on t'aurait pas pris. T'as le check activation. Oh la musique. Toudou. Toulouloulou. Oh. Let's go, on n'a pas une carte nous. On a fait la moitié du chemin. C'est tout. C'est tout. Oh là 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 là. Ton sanctuaire, on y va s'il est sur le chemin. S'il est pas sur le chemin, on y va pas. Non, on va aller à Cocorico et puis c'est tout. Hein. Bah, je salue. Oh, je me suis fait voir. Oh, c'est quoi ça? Bon. Il a pas tiré, puis il a tiré après. Quoi? J'ai pas compris. Mais saute! Avec ce trésor du crépuscule, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des chevaux! Oh, il y a des chevaux! Hop là! Hop là, calmez! Hop là, calme-toi, calme-toi! Ah, j'ai plus d'endurance, fais chier. Oh là là, t'as de la chance. Hein. Oh, mais non, j'ai pas réussi à l'avoir. On a pas pu le faire exploser. Moi, je voulais un cheval. On a pas pu avoir le cheval. Oh là. On va aller voir lui là-bas. Regardez. Il avance bien tranquillement. Il est joli, lui. Moi, je l'aime bien. Hop là, regardez. Il est dressé et tout. Ah, oh, avance. Comment ça, il m'a eu? Très bien. On est au village Cocorico, let's go. Qui va là? Ah, c'est la demeure de Damimpa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas. La tablette Shaika. Mais alors tu es... Non, ce pourrait-il que tu sois. Pardonne-nous notre impolitesse. Damimpa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Pas bouger le cheval. Pas bouger. Les wesh la vieille, comment ça va? Wesh wesh wesh. Te voilà enfin réveillé. Ouais. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas Link? Certes, j'ai oui. Bien vieilli depuis notre dernière rencontre. Mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir. Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Libère les quatre créatures divines. Ok, là-bas y a un sanctuaire, on va y aller. Comme ça on pourra se téléporter. Et c'est l'héritage de Zelda, mais je m'en fous de l'héritage de Zelda. Nous, on m'a dit d'aller taper des méchants là. Là. Je vais aller aux créatures divines. Oh, y'a le GPS, let's go, il a mis le GPS. T'as que 3 coeurs? Ouais. Pourquoi? Faut pas? C'est comme ça que ça marche, la vie. Allez, vas-y. Eh, tu fermes ta gueule et tu vas. Eh, tu arrêtes de faire. Allez, tu sautes. Quoi, t'es pas content? Je te rends pas content, moi, tu vas voir. Allez, tu avances. Voilà, tu vois quand tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Descends. Descends. Tu descends. Il veut pas descendre. Eh, ben attends. Ah, c'est bon, il descend. Tu vois? T'avais pas besoin de me faire la gueule pour ça. Voyons donc. Tu peux sauter par-dessus ça? Si, tu peux sauter. Fais pas genre, je sais très bien que tu peux sauter. Mais fais pas genre, tu peux pas sauter. Allez, bouge ton cul. Fais pas genre, tu peux pas y aller. Bouge ton cul, je te dis. Il veut pas y aller. Eh, hey, reviens là. Reviens là, il s'enfuit. T'es sûr que tu veux pas y aller? Comment ça, tu peux pas y aller? Fais pas genre, tu peux pas sauter. Je sais que t'en es capable. Regarde comme ça. Il est parti, il me fait chier. Ouais, il est bizarre cet endroit quand même. Vous êtes sûr que vous voulez qu'on y aille à la tour là-bas? Moi je serais pour l'esquiver, ça m'a l'air mieux. Ça sert à rien finalement les tours, hein. S'en fout de la carte. Et on a des points jaunes, les points jaunes ça nous indique déjà le chemin, c'est bon. Hein. On n'a pas besoin de plus. Oh ça fait ding ding. M'en fous, c'est trop loin. Hey, toi, oh. Là-bas, tu es un Illien, pas vrai? Exactement, je vois que t'es fort toi. Que je te parle. Oh, il veut faire un câlin. Je suis Sidon, prince des auras. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Link, tu es un puissant guerrier Illien, n'est-ce pas? Ah là, je crois, exactement. C'est moi le plus fort. Ouais, je savais. Après tout, je suis le prince des auras. Je suis très perspicace. Oui. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créature divine de l'eau. C'est peut-être de venir au domaine Zora. Et vous ne pouvez pas vous occuper de votre propre village, non? Je suis obligé de faire la bonne, c'est ça? De toute façon, j'étais en train d'y aller. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises, mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Wesh wesh mon ref, comment ça va? Oui, il a l'air d'aller bien. Attends, et du coup, il y avait un sanctuaire par là, c'est ça? Et là-bas. Quoi? Ah, j'étais en train d'avancer à l'envers, d'accord. D'accord, je vois. Attends, j'avance dans la bonne direction.
je crois, je sais pas. Je sais pas c'est quoi, bonne gueule. Non, c'est là-bas, là. Je sais pas. On va avancer, on verra après. Oh, des fleurs. Oh, un gros radis. Donc c'est là-bas qu'il faut aller. En fait, je me suis trompé de côté, c'est ça. 5 flèches en bois, let's go. On est trop riche maintenant en flèches. Oh, bah on est mort. Voilà, je viens de griller. Miam, miam. On a récupéré toute la vie dont on avait besoin. Vraiment là, je suis en train de me faire agarrer par des cailloux. Voilà. Vous avez vu, heureusement que j'ai mangé de la viande. Hein. Comme quoi, la viande, ça sauve des vies. Ne devenez pas végétarien, les gens. C'est parfait, on a retrouvé le chemin, les gens. Oh, hey, ouh, par ici. Il n'y a rien de compliqué dans ce jeu. Bon, on va passer par là pour aller là-bas. Ça va être plus simple. Ah, voilà, il est trop facile ce jeu. Lui, on s'en fout, il sert à rien. Ah, bah si, il sert à rien quand même. Mais quoi? J'ai attaqué là? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est où la suite? C'est là la suite, je suppose. Ouais, bah je vois pas pourquoi ça serait pas là. J'ai l'impression qu'on retourne en arrière, mais non, pas du tout. C'est juste une impression. Et on est en train de revenir au sanctuaire, là, quoi? Je sais pas. Mais c'est là où on était avant aussi. Mais pourquoi je suis revenu là, moi? Alors, on va revenir là. C'est quoi ça? Bon, on va suivre le point jaune comme on fait d'habitude, hein. Pas besoin de suivre le chemin non plus. Si le chemin nous fait retourner en arrière, c'est que ça sert à rien. C'est que le chemin est plus du cul. On est où là? Je sais pas où on est perdu. Ah si, c'est le chemin qu'on avait pris tout à l'heure, ça. Oh bah je suis mort de toute façon. Je sais pas, je suis perdu. Je sais pas où on était tout à l'heure, mais ça me fait retourner en arrière, ça. Peut-être que je me suis trompé, en fait, on retournait pas en arrière, c'est moi qui ai fait de la merde. Pourquoi j'ai l'impression qu'en prenant ce chemin, on retourne en arrière? Alors attends, j'ai fait ça, je suis revenu ici, en fait. Ok, j'ai compris. Juste, je suis trop con. Du coup, on va charger, on va revenir là. C'est les chauves-souris qui m'ont fait me perdre, en fait, c'est peut-être ça. Hein. Ah ouais, 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 c'est sûrement ça. Ah, d'accord, je sais quand est-ce que j'ai fait demi-tour. C'est quand j'ai fait de la merde. Et là, c'est où j'étais tout à l'heure. Quoi? Oh, je suis perdu. Peut-être j'étais sur le bon chemin depuis tout à l'heure et je savais même pas. Bon, du coup, on va retourner là-bas, on va suivre le chemin et on verra bien. Mais non, puisque je sais très bien que je fais demi-tour, je le vois. Paf. Il est mort? Parfait. Ici, j'ai vachement l'impression de revenir en arrière quand même. Je sais pas, je suis perdu. Bon, tant pis, on y va et on verra bien. Mais non! Je suis perdu! Je suis littéralement en train de revenir sur mes pas là. Littéralement! On peut pas faire plus revenir sur les pas. On va pas se faire chier, hein. Au bout d'un moment. Je suis sur le bon chemin, mais après je suis plus sur le bon chemin, je comprends plus rien. On va passer en ligne droite, hein. C'est plus simple de passer en ligne droite, ouais, ouais, ouais. Hop là! Nous on fait des zigzags! Oh! Et bah je suis mort. Bah voilà! Vous voyez qu'on a retrouvé? Trop facile! Comment ça tu m'as eu, connard? Place-toi, toi. Quoi, il m'a eu? Je l'ai fait tomber, il m'a eu, vraiment. Oh. Hey, Link! Tu es bientôt arrivé au domaine Zora. Ah, Link! Derrière toi, un monstre approche. Fais attention. D'accord. Si tu veux. Oh, c'est quoi, ça? Des champignons. Oh, des fleurs. Hop là, vous avez vu, j'ai fait un remix de musique vers le domaine Zora. C'est bon. Première quête terminée. Oh, serais-tu Lilien que Sidon a ramené avec lui? Sidon Refa, le souverain du peuple Zora. Pourquoi Zora, ils sont toujours gros? Tu es Link, le prodige des Iliens. Je suis amnésique, allez. Comment? Amnésique? Mais tu te souviens tout de même de ma fille Mipha, non? Non, vous étiez pourtant des amis si proches. Je suis certain que tu ne te souviens pas d'elle. Il doit bien exister un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire. Enfin, tout de même. Ramener ici un prodige sans même le savoir. Bel exploit, Sidon. Ah, déjà bu. Alors, accepterais-tu de nous venir en aide? Comment? Un instant, votre majesté. Nous ne pouvons décemment pas demander de l'aide à un Indien. Il en va de votre honneur. Mérite, ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop? Face à cette pudie du Vienne, il n'y a qu'un Indien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous ensemble. C'est leur faute si son Altesse Mipha ne reviendra plus jamais. Nous sommes un peuple aquatique. Il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un Ilien qui pourrait nous venir en aide. Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser? Alors sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. Entre bien une armure, tu pourras remonter les cascades, tout comme nous autres Zora. C'est un gage d'amour remis par les princesses Zora et leurs futurs époux. Et ce, depuis des générations. Son Altesse Mipha l'a confectionné de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. C'en est trop. Je ne peux en supporter davantage. On a une nouvelle armure là. Let's go, on est trop BG maintenant. C'est un peu gênant d'en parler alors qu'il est juste là, mais Link est celui dont Mipha a été prise. Oh, j'avais une petite copine. Allez, vas-y, oui, regarde la statue. Oh. Oh, vas-y, il y a des plans là comme ça. Hop, on voit sa grosse tête là. C'est drôle.
Ça me rappelle notre première rencontre. Cinématique, là. C'est le passé. Je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Elle est morte. Elle est morte. Je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Ah bah, mais t'étais pas prête, hein, clairement. Sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose... À toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. Ah bah, c'est plus trop possible, là, tu vois. À chaque fois, quelles que soient vos blessures. Ah ouais, mais t'es morte. Je serai là. Je serai là pour te protéger. Ah, c'est pas bien de m'en dire, hein. Faut pas... Arrête. La bataille sera terminée. J'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Ah ouais, mais c'est pas possible, comme ça, c'est jeune de dire. Quand nous étions tous les deux des enfants. Mais c'est pas possible, tu es morte. Ok, j'arrête de forcer. Tu n'as toujours pas compris? Regarde bien ce que porte Link. Comment? Oh, c'est l'armure Zora que Sa Majesté t'a remise. Elle te va à la perfection. Comment est-ce possible? Sachant que tu n'as jamais aimé les Zyliens, Mipha a demandé à mon père de ne pas t'en parler. Oui, je suis raciste. Tu vois cette haute montagne là-bas? Terrible créature et élu de missile. C'est un monstre terrifiant qui tire des pluies de flèches électriques qui, pour nous, Zora, sont fatales. Il te faudra au moins 20 flèches électriques. Remonter. Let's go. On remonte tout en haut, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Hop là. Alors, lui, Inel. Bah, je peux pas l'affronter, en fait. Mais j'ai pas assez d'armes. Mes armes, elles vont toutes se casser. Pff, il est tout pourri, en plus. Tout pourri, mais mes armes... Mais comment ça, utilise pas tes... Mais je suis devant toi, connard. Qu'est-ce que tu utilises tes flèches? Donc là, une flèche, let's go. Et même un lézard. T'as vu ça, un peu? On va aller l'attaquer, mais je pense vraiment pas qu'on puisse le tuer. Ça m'étonnerait grandement qu'on puisse le tuer. Bah hop là. Hop là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Hop là. Hop, hop. Quoi, j'ai sauté en arrière? Bah il m'a touché. De toute façon, je le tuerai pas. J'ai pas enlevé la moitié de sa vie. Et j'ai plus d'armes qui faisaient mal. Ouais, non, tu me vois pas, regarde, je suis baissé. Ouais, 20 flèches. Alors, en vrai, il en faut que 4, hein, mais bon, voilà. Quoi. Let's go. Pouf. On plonge. Et hé, let's go. Là, normalement, on est mort, hein, je tiens à le dire. Bien, allons apaiser cette créature. Tu peux y arriver. J'ai foi en toi. Allez, monte sur mon dos. Pourquoi je pouvais pas monter sur ton dos avant, quand je devais aller dans ton village? Hein? Pourquoi? Parce qu'à une sorte d'énergie antique, elle peut générer des blocs de glace. À toi de trouver un moyen de les contrer. Les blocs de glace, c'est bon. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop. Ah mais j'ai fait n'importe quoi là. Ah merde, merde, c'est quoi le bouton? J'ai oublié le bouton. C'est A le bouton? C'est A le bouton. Ah mais non. Oh là là, fait chier. Ah mais toujours plus. Ah, on a détruit le dernier, parfait. Hop là. Il est où? Je sais pas où il est. Pas par là-bas, par hasard, si il est là. Mais putain! Ne tombe pas. Mais tu m'emmènes pas au bon endroit aussi, débile! Occupe-toi de la casse! Oh, mais pauvre con! Oh putain, tu me fais chier. Ah, mais j'arrive pas en plus, je suis pas bien positionné là. Ah voilà, je suis mort. Eh, mais je suis pas bien là, je peux pas bouger le bras correctement. Là, mon bras sous le bureau, je pouvais pas bouger là, c'est bon. Maintenant je peux bouger, c'est bon. Parfait. Oh son gros cul. Oh son gros cul là. Oh. Mais arrête de faire n'importe quoi, conduis correctement là, on dirait mon père quand il est bourré. Let's go, la dernière. Paf. Oh, parfait. Et voilà, il s'est arrêté de pleuvoir. Oh, l'eau. L'eau est partie. Et l'eau n'est plus là. Et le truc il s'ouvre. C'est normal qu'il s'ouvre? Non, je suis pas sûr qu'il soit normal qu'il s'ouvre tout seul. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pour le scénario, tout ça. Je te souhaite bonne chance. Ok. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. Et pourquoi tu viens pas avec moi? En fait, t'es le prince du pays. Tu viens m'aider à sauver ton pays au moins, non? Non, il s'en va. Pourquoi? Je sais pas, il est parti. Tu es sain et sauf. Oh. Oh. Oh, ouais. Je le savais. Je savais qu'un jour. Oh. Je savais qu'un jour. Tu viendrais ici. Eh bah oui. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon. N'est-ce pas? Exactement, c'est ça. T'es morte. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Mm-hmm. Il te faut l'atteindre. D'accord. Quoi, qu'est-ce que tu veux te battre, toi? Hop là.
Oh, t'as cru que je t'avais pas vu, toi, là-bas? Quoi, comment ça? Oh, bah, je suis dans l'eau. Et... Hop là, oh là, on l'a tout shot. Bah, let's go. Un gros téléphone, c'est ça. Regarde-la bien. Tu vois ces points brillants? Ils représentent l'emplacement des différents terminaux de... Il te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Ouais. Ah, je commence à se contrôler, ça, déjà. Ah, j'arrive pas à contrôler, c'est bizarre, je sais pas. Et voilà, c'est bon. On a fini le jeu là, on a gagné. Je crois qu'on a gagné. Il reste encore 4 terminaux de contrôle à activer. 4, c'est beaucoup 4. C'est pas ça du tout, c'est pas grave. Quoi, il commence, il va bientôt se casser. Comment ça, il va bientôt se casser mon arme déjà. Toutes mes armes se cassent au bout d'un monstre, je suis mal barré. Hein. On va bloquer ça. Voilà, comme ça, ça a arrêté de tourner. Ah, oh, c'était ça qu'il fallait faire en plus, je sais pas. Oh, oh, y a... Ah, je l'ai raté pile au bon truc que sans faire exprès. Oh, mais je suis trop fort. Oh, mais c'est le talent, ça. C'est le talent. Je vais faire comment, là? Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Je crois, j'en sais rien. Ouvrir, voilà, parfait, on a eu le coffre. Il nous faut des armes. Il faut des armes. Et c'est pas une arme. On peut le faire tourner dans l'autre sens, ce truc? Oui, on peut sûrement le faire tourner dans l'autre sens. Regardez. Ah voilà, il tourne dans l'autre sens, parfait. On va pouvoir monter comme ça. Mon gros cerveau, comment il a tout... Comment il a fait pour tout analyser là? Avec ta coûté tes qui toi? Paf! Hop là! Trop fort, j'ai tout prévu. Quoi? D'accord, je sais pas. Quoi, mais j'ai... Ah mais c'est une arme à deux mains que j'ai pris en fait. Merde, je crois que j'ai pris une arme à une main. Oh, fait chier. Oh là-bas, déjà, il y a un coffre. Hop là. Ah! Ouais, fais pas des conneries toi. Qu'est-ce que tu me fais toi? Tu te calmes, hein. Il est où le dernier? Dans sa grosse tête là. Et ici, oh là là, c'est quoi ça? Parfait. Du coup, ça éteint le feu. Mais voilà, mais là, mais quelle masterclass. Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Oh. Il ne te reste plus qu'à actionner l'unité principale. Mais t'as cru que tu t'étais trompé ou quoi? Casse-toi, toi. What the fuck? Il est parti où? Du coup, c'est ça qu'il faut activer. Bon, bah voilà, on a fini le jeu, les gens. On a gagné Zelda. C'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a du caca noir qui sort. Je sais pas ce qu'ils ont, Zelda, avec le caca, là, en ce moment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un hologramme, c'est comme dans Star Wars. C'est la guerre des étoiles. Du coup, c'est une représentation moche de Dark Vador, ça, c'est ça? Ombre d'eau de Ganon. Dark Vador aquatique, c'est lui. Voilà. En garde. Ce monstre a été créé par Ganon. Ah, il peut créer la vie, Ganon, il est trop fort. Il est comme Dieu. Ganon, c'est la représentation de Jésus. Et c'est Jésus qui a tué Mipha, apparemment. Hop là, on va mettre Kryonis, je sais pas pourquoi. Ah ouais, j'ai oublié ça. Oh, comment ça marche? Hop là, trop fort. Hop là, bravo Link. Et ouais, t'as vu que trop fort. Tout prévu. Hop là, trop fort. Et voilà, qu'est-ce que va faire? Tu me fais pas peur. Moi, j'ai pas peur de toi. T'as coûté tes qui? Ah, j'ai 3 flèches. Hein. En plus, c'est organe de la vie, ce sale bâtard. Mais tombe pas dans l'eau, connard. Qu'est-ce qu'il me fait? Comment ça, il est pas tombé par terre? On va utiliser ça, là? Ah, bah, je suis mort. Ah, bah, ça va être plus compliqué que prévu, apparemment. Je sais pas, comme ça, une intuition. Quoi? Il est où? Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, j'ai sauté. Ah, mais il m'a planté comme ça. Fallait que je fasse sur le côté. Oh là là. Genre, là, ça va marcher. Pouf! Ah ouais, j'ai le Sonic Dash. Comme Fox McCloud. Comment ça, mon arme, elle s'est cassée? Je vais te casser la gueule, moi, tu vas voir. Merde, il est... Mais espèce de connard, mais j'ai tiré dans son œil là, on est d'accord? Est-ce que j'aurais dû esquiver sa lance? Oui, peut-être, mais ça, on s'en fout. Comment ça, je l'ai pas eu là? Tu veux que... Oui, bah du coup... Oh là là, mais comment ça, je l'ai loupé 3 fois? Comment ça, je l'ai loupé 3 fois? Fantastique, let's go. Comment ça, j'arrive à le toucher là? J'arrive à le toucher, rien du tout, voilà. Eh, arrête de te régénérer. Hein. Quoi? Ah, mais... Mais j'ai arrêté son animation, il m'a attaqué. J'ai rien compris à ce que j'ai fait. J'ai fait un move de fou sans faire exprès, je crois. Ouais, mais j'ai fait de la merde. Avec ma super armure bleue que ma femme elle m'a donnée, que ma femme qui est morte elle m'a donnée, ça va bien se passer. Regarde, vous en faites pas. Si j'envoie ça dans la tête, là, c'est pas. Pas bien ça? Mais j'ai pas prévu qu'il se mette au-dessus de moi là, j'ai fait comment? Oui, bah, j'avais pas prévu qu'ils se mettent au-dessus de moi. En plus, j'étais bien, j'avais bientôt gagné.
à rayons laser et tout. Oh là là, j'avais pas prévu les rayons laser, moi. Hop là, mais j'ai sauté là, mais en plus, pourquoi il s'est retourné ce con là, il me pète les couilles. Comment ça il m'a touché là? T'as cru t'étais Hercule Poirot? Tu n'as plus beaucoup de place. Il n'y a plus beaucoup de place, fais attention. Allez, lance-moi ton bloc de glace à la con là. Ouais, j'attaque, t'en fais pas. Allez, vas-y, c'est le moment de mourir. Ouais, voilà. Trop fort, vous avez vu? Super facile, ce jeu. Ah, il fait caca partout, là. Ah, mais il est dégueulasse, ce jeu, là. Oh, il explose, c'est quoi ça? On aurait dit une boule magique. Oh, il y a un cœur. C'est quoi ce cœur, dis donc? Oh, on a un quatrième cœur, mais vous avez vu ça? C'est magique ou quoi? Oh, un fantôme. Oui, il faut appeler Luigi, il va nous débarrasser d'elle. Eh Luigi, mon nom c'est Luigi. Eh oui, oui, go, c'est la fin de Mario, c'est comme ça qu'il fait. Mon pouvoir de guérison, maintenant que je ne suis plus qu'une âme. Ouais. Je ne peux plus l'utiliser. Oh bah c'est con ça. Je te le confie. Ah, ça c'est bien. Les bénéfices, tout ça. C'était la raison principale de ma venue, je suppose. Faut toujours venir pour ramasser des bénéfices. S'il n'y a rien à ramasser, c'est que ça sert à rien de venir. Oh, hop là. J'ai une boule magique dans le ventre maintenant. Oh, je peux voler. On peut voler en plus, mais c'est trop bien. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu es venu me sauver. Et oui, on a sauvé la waifu du jeu. Let's go. Et à présent, je sais que mon pouvoir est en toi et qu'il te viendra en aide. Non, c'est pas la waifu, elle, c'est le R34 du jeu. La waifu, c'est Zelda, je crois. Tiens. Nous te soutiendrons lorsque tu combattras Ganon au château. Ouais, j'espère que le soutien il sera important. Hein. Oh, même si c'est une machine antique, mais elle fait vraiment un bruit d'éléphant. Ils ont mis un haut-parleur. Rayon laser, là. Bon, tête Superman. Tu devras lancer une attaque pour affaiblir Ganon autant que possible. Ah bah, j'espère qu'elle sera puissante, son attaque. Hein. Père, j'espère que vous allez bien. Je sais que je n'en ai fait qu'à ma tête. On s'en fout là, c'était il y a 100 ans, il a oublié depuis. Vu comment il est gros et vieux, tu te doutes bien qu'il est devenu amnésique depuis. Depuis le temps là, il a Alzheimer, ça se trouve. Oh Link, tu es revenu, je t'attendais. Ces pluies si torrentielles ont cessé. J'ai encore peine à y croire, notre domaine est donc hors de danger. Et oui, il n'y a plus de risque que les terres d'Hyrule soient inondées. À toi qui as dépassé toutes mes attentes, je tiens à exprimer du fond du cœur toute la gratitude de mon peuple. Eh, hey, je m'en bats les couilles de ton message. Let's go! Woohoo! Hop là, la poignée de main, là, il marche le bras. Le héros de Hyrule, il est mort. Ah ah ah, tu es parfait. Je sais que je suis parfait. C'est moi la perfection qu'on m'appelle. Wahoo, let's go. Let's go, la perfection, elle est là. Ouais. Vive la perfection. Du coup, eh ben salut. Et à la prochaine. J'ai rien d'autre à dire. Vraiment rien du tout. Ici. Allez. A plus les gens. Ouais. Et à la prochaine.